다 참으로야 섬지 다 다가로 고르들이 섬지 쉬어야다 아니 제가 잡지도 아니 다 딘디 치료차리아 안 다나 쇼베는 신체 지당도 가서에 검자 섬으로베다 디던 저여도시 다나 쇼베디다 난두지고로 쉐샤 아니 다나 쇼베 쉬베는 신기 Tendrivita, the Gundrup Yamlinsia Teta, the Susugi, and a Gagi, Mizida, Mizin Alolia, Gundrup Yamlinsiavik, Impact San Antonio Taganda, the Pinu Karachum Digolia, Doduji, Novalingalia, the Zir Shuna, some two stands. Juste avant de traduire ce que Sa Sainteté vient de dire, ce matin j'ai oublié de vous traduire juste une petite chose qui est la raison pour laquelle Sa Sainteté a écourté la session. Bien que Dame Karimboche lui avait demandé de faire la session jusqu'à 11h30, comme ce matin il faisait particulièrement chaud, et Sa Sainteté a préféré s'excuser et raccourcir la session. Donc pour ce qui est de la session de cet après-midi, donc tout d'abord, Sa Sainteté vous présente à tous ses meilleurs souhaits. Bon après-midi à tous. Et aussi, il va continuer la méditation commencée ce matin, l'enseignement commencé ce matin qui est en relation avec la méditation. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, la méditation, la pratique de la méditation est quelque chose qui peut avoir un impact assez important dans notre vie quotidienne. Et c'est à ce sujet que je vais discuter avec vous cet après-midi. En général, ce que l'on appelle le karmapa est une lignée de lama, une lignée de maître historique du Tibet, qui a une existence depuis de plus de 900 ans, qui est une lignée de lama qui s'est écoulée pendant les 900 dernières années. Et cette lignée prend sa source dans la lignée d'Akpo Kagyu. Et la lignée d'Akpo Kagyu est connue et a cette caractéristique d'être une lignée de la, lignée de la méditation et de la pratique. Je
jo gendem gilo ba da da na sin gi sa ja ba de zuin da zo da xi gyu ben ru chi ane ge yu ning ma de da zhu gyu ben ru chi da de zo zhe de dun xi zhong ru chi de ji yong de men ru a de ji ge tuan ne dan dan na ji sang ge den ba de en pe ga zhen ge zhong le ya long dong sha zhen li ya kan da xi du ni ge guan ne ka shu da zin yong ru che che And the person at the time, my energy be so long or rugi, Zumblingi, G. Casualaji, Kugon Rugilia, and Deche, Taka, the Chilol and Dravishna, may have Chichi. That's all the Angie Nambeche, Zingyovismcha, Tietalia, Long Tonjajilia, Tuzuman was down the Vichy, the Jimre. Au Tibet, l'enseignement bouddhique a été préservé sous ces deux formes, la forme de l'enseignement et la forme de la pratique. Au Tibet, il y a différentes lignées, et chacune de ces lignées, en fonction de l'intérêt qu'ils portent ou de leur spécificité, va porter plus d'intérêt ou va insister plus soit sur l'enseignement, soit sur la pratique. Pour ça que l'on a... On peut diviser les lignées bouddhiques du Tibet selon deux catégories, les lignées d'enseignement et les lignées de la pratique. Parmi les lignées du bouddhisme tibétain, les lignées Gelugpa et Sakyapa sont plus portées sur l'enseignement et les lignées Kagyu et Nyingmapa sont plus portées sur la pratique. Mais c'est juste une question avec plus ou moins d'intérêt, mais les deux sont présentes. Donc on peut dire que, dans l'ensemble, le bouddhisme tibétain qui existe au Tibet depuis 1000 ans a préservé l'enseignement du Bouddha sous sa forme à la fois d'enseignement et sous sa forme de pratique. Le Tibet, avant les temps modernes, était un pays au niveau mondial extrêmement isolé, avec très peu de communication avec l'extérieur. Et pendant 1000 ans, les Tibétains se sont adonnés à la préservation et à la pratique du bouddhisme. Andina neda Andrin Yuzanda ngadi ji karre ngara du cha sha win an chung du da lo dyung gi ngen lya da ga ge sa di en pe gi sha sho da da sha sho gi 저가서 감서다 감기사서 지게브레 이나게게 보유기 민데 미마무지게 신금인도 저랑 보유 가네레스라 두상에 보유 민데마 지 가르 랍두산에 미마무지게디 신금인도 제장에 보유디 진짜 깨라 첨부지 진짜 롱부지 있어 말해 나중 아주 보유리야 나랑 보유 깨라 첨부로 진상으로 텐디어 제장 아주지 Small kingdom, Rubji. And as well as Gabon, the Gabon said to Dia, as you pay you lay on the Gabon Rubji or the Gabon Junji. Just on as you small kingdom, Rubji, in some the 10 year in a mission that is on Gozum. Just on and some can I pay you cane in Ludistane? Pay you mean like this terrible store. Just on the 아주 pēyū mīng rāng dē mālāb chē, nī gyā chē sā rūchī, kāmbā rūchī yīn sī lāb shā nā, tē sī tāb dē rūchī yu bē sō shī nī shī tō. Gāndā tē rī chē lūmbā khū gyā chī lī yā gyē bē rē, lō dūyūn pā dō rā, tā bō gyū mā sā nā, tā chī bā gyū mā rūb chē, tē rī chē tsua rūchī gyē chē, dē bē rē, lō dūyūn pā dō nī zū kāng mī sē kī. 但你就看要冲上嘛嘞。Pour ma part, jusqu'à l'âge de 7 ans, je vivais dans mon lieu de naissance qui se trouve à l'est du Tibet, dans la région du Kham. En réalité,
le lieu dit ou la petite région dans laquelle je suis né n'est pas vraiment connu. Quand les gens me demandent de quel coin êtes-vous, je n'arrive pas. Lorsque je leur donne avec beaucoup d'assurance le nom de mon lieu de naissance, les gens ne connaissent pas, n'ont jamais entendu parler. Cependant, pour ma part, et nous-mêmes au Tibet, à cette époque, on croyait que l'on était très connu, qu'on était dans un lieu que tout le monde connaissait, parce que on appartenait à un petit royaume. C'était un petit royaume avec son petit roi à l'intérieur, et on croyait être un royaume très connu. Mais j'ai pu me rendre compte que lorsque je cite le nom de mon lieu de naissance, personne ne connaît ce lieu. Donc lorsque les gens me demandent d'où je viens, si je leur dis le nom exact de mon lieu de naissance, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas savoir à quoi référer. Donc je donne mon lieu un peu plus vaste, la région en général, et cette région c'est le Kham. Donc je suis né moi-même dans un lieu reculé, et jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu l'enfance d'un enfant ordinaire. Rien de spécial ne s'est produit jusqu'à mes 7 ans. Et donc, lorsque j'avais 7 ans, une équipe partie à la recherche de la réincarnation du Karmapa est venue dans mon coin. Mais ils n'ont pas vraiment posé les questions extrêmement précises pour savoir quel est le nom du père, le nom de la mère, le nom de l'enfant. Ils sont juste venus faire une petite investigation pour se renseigner des enfants nés dans le village. Et ils n'ont rien dit à ma famille, ils sont repartis. Puis, ils ont simplement prétendu être à la recherche d'un membre de leur famille, d'un ami, d'une personne qui leur était proche. Puis, lorsqu'ils sont revenus pour la seconde fois, ils ont annoncé à mes parents et à tout le monde que leur fils,
était la réincarnation du Karmapa. Donc, les habitants et mes deux parents étaient sous le choc. Enfin, on ne peut pas dire vraiment choqués, mais ils étaient, comment dire, émerveillés, abasourdis. Donc, d'habitude, on était tous ensemble, on habitait tous ensemble, et soudainement, quelque chose se produit. On m'a reconnu comme étant le Karmapa. Donc, en général, quand je suis né, ce qui s'est produit, nous, dans la tradition tibétaine, on est très à l'écoute et à la recherche des signes auspicieux à la naissance d'un enfant. Et beaucoup ont dit que lorsque je suis né, il y a eu de nombreux signes auspicieux. Pour ma part, je ne m'en souviens plus. Mais cependant, comme tous les habitants et mes parents avaient vu des signes auspicieux, tous pensaient que j'étais un individu ou que l'enfant qui était né était un individu spécial ou un tulku, c'est-à-dire un maître réincarné, mais jamais ils n'ont pu imaginer que c'était quelqu'un d'aussi élevé que le Karmapa. Donc lorsque ils ont appris la nouvelle, ils étaient sous le choc. Ce n'était pas prévu, c'est un événement qui leur est arrivé soudainement. Ben tada samdang bim na anda ji kashwe ngazu tama ji ngazu lumbi mi samlo da tise kashwe tise chema me imbe ro sana da kar simple ro ji ro think very simple so maro da ji nyora sam sam sha ga ma cheza kap di du sa ne an chor chorang gi belang ye phamal ya chorang bu de kam ba res lu du sa ne an ta ji Dah sila sila cuaca lebih sila, cuma ni sila cuaca lebih yang kurang. Tadi, tadi zodi kama ba dah kunjung juru biagi. Tadi ngaco kama biagi dah lusur, dah kerja. Yang si nunjuk cedang di, yang si pergi juga siapa macam apa? Kama ba ku kongen tiga, tadi. Kacau ada instruction tu bici, senarai jangan tu lambat tu bici nang ye bici. Entah siapa tuan yang caya lusi tu bici ni cuman dia le. Jangan kamu bukan tu cuci begi. Entah korang ada si ceri siapa yang tu sana. Entah dia dengan kopi tu dengan pamali ya dance. Entah korang dia ni red tu sana. Jangan tak korang dia kamu bukan tu cuci begi. Tak ada. Si ceri itu stres lebih senada, sama orang harus lecak kan, kejut cewa dah dini si kejut kerja cewa, sekejap malu dah, sama orang harus lecak, pada diri je dah, think very simple je dah, malu tinsan pernah ni di sama orang ni pernah nujo gigam nalo, dah tinsan nujo nalo le ya, cukup dini cuni, diri ni yang dia ada, jadi dini je le ya, lupur tu, ane go dong je, ane jangan pa apa. Abe ni ni ya, abe mingkasi, abe mingkasi. Kejadi na, corang kerja mas kerja. Cikir bata, nyoris cikir bata. Kerja sangat jadi, mingkin kerja ni. Eh, seni cik lepce, yang kerja yang je, ada corang buku tu cukup je rendah sen, tak kerja juga rasa. Kita mampu sih untuk kau lah, jasa, kata tu je dah, jasa. Tapi ni lagi, ada tu je mysteries sama ada je jungle sorang je, tak kalau tu dah, tak kalau tu ni ni rujuk je, anak kamu bawa dia tu je, tu ni rujuk cara dia dah, tu ni rujuk je. Quand je pense maintenant à cette époque, à cette situation. Je me rends compte que les gens de mon pays étaient des gens très simples, qui avaient aussi une façon de penser très simple. Ils ne se posaient pas beaucoup de questions, pas beaucoup de soucis. Donc, quand ils ont dit à mes parents, « Eh ben, ton fils est le Karmapa », en général, il y aurait beaucoup de questions à poser. Et pourquoi, etc. Mais ils ne se sont pas posé de questions. Leur fils était le Karmapa. Le 16e Karmapa, tout comme ses prédécesseurs, historiquement, la lignée des maîtres de Karmapa avant de mourir, laisse une lettre indiquant leur prochaine réincarnation. Donc ce qui s'est passé, c'est que les moines qui sont revenus,
pour annoncer à mes parents que j'étais la réincarnation du 16e Karmapa, ont tout simplement montré à mes parents la lettre manuscrite du prédécesseur du 16e Karmapa. Et ainsi, mes parents ont été extraordinairement surpris et il n'y avait plus rien à dire. Ils étaient tout simplement surpris et ils ont accepté la situation. De nos jours, en Occident, il y a quelques maîtres réincarnés des tulkus qui prennent naissance en Occident. Mais lorsque les moines viennent vers les parents et leur posent la question, quel est le nom du père, quel est le nom de la mère, tout de suite ils créent des problèmes en disant, et pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi vous me posez cette question? Puis lorsqu'ils reviennent en disant, votre enfant est la réincarnation de tel maître, ils se disent, ils répondent, mais qu'est-ce que vous en savez? Donc les choses ne se présentent pas de la même façon de nos jours comme à cette époque dans ce lieu où les gens étaient beaucoup plus simples et ne se sont pas posés de questions. Et c'est ainsi que je suis devenu, moi, le Karmapa. Donc, c'est comme ça, j'avais 7 ans. Et les gens me posent beaucoup de questions. Quand vous avez été reconnu comme étant le Karmapa, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel était votre feeling à cette époque? Moi, j'avais 7 ans et je ne me posais pas vraiment beaucoup de questions. J'étais juste OK, j'étais reconnu comme étant le Karmapa. En fait, je pensais que grâce à ça, j'aurais beaucoup de jouets et je pourrais avoir beaucoup d'amis avec qui jouer. Mais plus tard, quand je suis arrivé au monastère de Tsurpu, c'est-à-dire le siège principal des Karmapas, je suis arrivé et il y avait beaucoup de gens qui m'attendaient sur la droite, sur la gauche, tous en ligne, avec en jouant des cymbales, en jouant aussi du radung, la grande conque. C'est une sorte de grand hautbois. Et vous avez ça aussi en Suisse, hein, un instrument qui fait à peu près ce son-là. Hier, j'en ai entendu, mais je me suis dit que ce n'était pas forcément très auspicieux. J'avais un peu peur, mais... Donc, quand je suis arrivé, je suis parti en voiture de mon lieu de naissance jusqu'au monastère de Tsurpu. Et un peu avant d'arriver au monastère, je suis descendu de voiture et monté à dos de cheval. Et là, lorsque j'ai commencé à voir tout ce qui se passait, j'ai commencé à me dire que ça allait peut-être mal se passer.
Donc, arrivé au monastère, on m'a mis sur un grand trône. Et autour de moi, il n'y avait pas beaucoup d'autres enfants, hein, pas de potes avec qui jouer. J'étais juste entouré de personnes assez âgées, ou en tout cas des adultes. J'ai vu une fois une photo du Dalai Lama lorsqu'il était très jeune, et il était entouré que de personnes de plus de 60 ans. Pour moi, j'avais des personnes plutôt d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, mais pas de petits-enfants, pas d'autres enfants avec qui jouer. Donc, et tous étaient très sérieux. Tous prenaient les choses très sérieusement. Et là, je me suis dit, ça va pas être aussi amusant que prévu. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi dans cet entourage. Depuis petit, j'ai grandi dans cet entourage-là. Et c'est ainsi que j'ai été éduqué. Donc mon éducation était une éducation tout à fait traditionnelle, donc je n'ai pas la peine, pas besoin d'en parler. Et c'est ainsi que ma vie a continué jusqu'à à peu près l'âge de 14 ans, où j'ai dû m'enfuir pour l'Inde. Donc c'était aussi une époque où j'ai dû abandonner à la fois mes parents, mes amis et toutes les personnes qui étaient avec moi. Et j'ai dû arriver jusqu'en Inde, m'enfuir jusqu'en Inde. Et cela fait maintenant bientôt 17 ans, en réalité depuis l'an 2000, donc 16 ans, un peu plus que 16 ans que je suis en Inde. Et dans ces 16 ans, je n'ai pas entendu parler de la possibilité de retourner au Tibet ou la possibilité de revoir mes parents. Donc je vois cette situation et je peux mieux comprendre la situation aussi de tous les réfugiés tibétains en Inde qui vivent la même situation, une situation qui est assez difficile. Some the Yaburu Chagin and was red, that some day
Et dans ce monastère où je suis maintenant, c'est là que je fais la pratique, la méditation. Mais en général, comme mon emploi du temps est très occupé, je n'ai pas beaucoup de temps pour pratiquer. Parfois, je me dis que je devrais aller en retraite. Je devrais me mettre en retraite. Et quand je me prépare pour aller en retraite, il y a toujours des gens qui viennent pour me voir et qui viennent de très loin. Et si je vais en retraite, je ne pourrais pas les voir. Alors, ils seraient déçus et ce n'est pas correct. Donc, quelque part, je pense que ce serait un peu égoïste. Moi, je me mets en retraite et les gens ne peuvent pas, je ne peux pas voir les gens. Donc, je me trouve toujours de ce genre d'excuses et je me mets pas en retraite. Et c'est donc ainsi que pour moi, c'est un petit peu difficile de pratiquer d'une manière intensive, de pratiquer. Quand je suis parti du Tibet pour venir en Inde, en fait, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir de pouvoir faire des choses en Inde. Mais quand je suis arrivé en Inde, pour des raisons politiques, pour des troubles politiques, je me suis retrouvé avec beaucoup de restrictions. Tout ne s'est pas passé comme je l'espérais. Et cela fait pendant 16 ans, et vous imaginez, maintenant seulement je peux venir en Suisse, alors que cela fait 16 ans que tous mes projets n'ont pas pu se réaliser, ont toujours été repoussés. Donc maintenant, j'arrive à l'âge de 30 ans, et en 30 ans, on pourrait faire beaucoup de choses, mais je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, je n'ai pas pu faire grand-chose. Donc, j'ai souvent cette sensation, j'ai quelques tensions, quelques soucis à ce sujet, où je ne suis pas vraiment satisfait. Mais, d'une certaine manière, je sais que je n'ai pas d'autre solution, et donc j'essaye d'appliquer aussi toutes ces situations dans le dharma et dans ma pratique. C'est pour ça que sur cet exemple, pour nous tous, nous devons contrôler nos attentes. Nous devons aussi contrôler nos désirs autant que possible.
Il ne faut pas être complètement sous l'emprise, sous l'influence totale de ses désirs, de ses attentes. Et faire, comme je vous ai dit ce matin, pratiquer le contentement, être satisfait. Satisfait de ce que l'on a, être content avec ce qui est. Et si l'on s'efforce à être satisfait de ce qui nous arrive, de ce que l'on a, à ce moment-là, ce nous sera très utile, ce sera d'un grand bénéfice. Voilà, je voulais partager avec vous cette expérience. C'est ma propre expérience et je voulais partager d'une manière assez générale. En Inde, lorsque j'enseigne, je n'ai pas vraiment l'habitude d'enseigner pendant très longtemps. Souvent, une session d'enseignement dure une heure ou une heure et demie. Et sur une heure et demie, nous, traditionnellement, les Tibétains, on fait une demi-heure de prière avant et on fait une demi-heure de prière en conclusion. Donc souvent, j'ai simplement 30 minutes pour parler. Et aussi, lorsque j'étais petit, mes enseignants, mes professeurs m'enseignaient pendant 3 heures, 4 heures durant. Et je pense que je me suis beaucoup ennuyé, c'était très ennuyeux, donc je me dis toujours que lorsque j'enseigne, si je parle trop longtemps, les gens aussi vont s'ennuyer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas l'habitude de faire des grands discours, de parler pendant longtemps. Mais ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais répondre à certaines de vos questions, et si on a possibilité de faire une séance de questions-réponses. Donc,
Je me souviens aussi de quelque chose, c'est que lorsque j'étais enfant, je devais passer beaucoup de temps dès tôt le matin à mémoriser. Les textes que je devais mémoriser, il y avait bien au total 800, 900, voire 1000 pages que j'ai dû mémoriser. Et mon enseignant, on était tous dans une même salle, une sorte de salon, de chambre, et j'étais avec mes enseignants et je devais mémoriser pendant des heures durant. Et vers 11h du matin, mon enseignant principal sortait pour faire quelques koras. Et à cette époque, il y avait une horloge qui pouvait être réglée avec une alarme. Et lorsque l'heure de terminer la session était finie, l'horloge sonnait et on pouvait partir. Alors quand mon enseignant sortait, moi, j'avançais l'horloge de quelques minutes. Et lorsqu'il revenait, très peu de temps après, la fin des cours sonnait. Et mon enseignant s'exclamait, « Oh, ce matin, le temps est passé si vite !» Alors, je ne sais pas si c'était la meilleure solution, mais c'était comme ça. Ok. Donc juste les bonnes questions. Ok. Bon, d'abord, je l'ai traduit en tibétain et on en discute. Ok. Donc je peux traduire. Est-il important d'enseigner ou de faire pratiquer la méditation aux enfants? Et comment doivent-ils pratiquer la méditation? Comment les enfants doivent-ils méditer? Donc oui, faire méditer les enfants, c'est utile. Il y a une étude en Angleterre qui a été faite, qui a prouvé les bienfaits des enfants de faire quelques séances, d'avoir l'esprit concentré ou d'avoir l'esprit détendu. Maintenant, quant aux méditations, aux techniques de méditation à employer, il faut mieux que les enfants se concentrent sur un objet très général, par exemple, poser leur esprit sur un son, ou alors marcher tout en tenant dans la main une tasse ou un verre d'eau bien rempli et avancer tout doucement sans renverser. Donc ce sont des méditations qui ne sont pas désagréables à faire, qui ne sont pas ennuyeuses et qui sont faciles.
Donc je pense que garder des techniques de méditation très générales, ça pourrait être utile, ça serait bien. Saint-Aidé dit, il n'y aura peut-être pas à cette question. Gomge nyamlen jebe kapsu nyomong chagres de la semtures de la tapche kare jere nyomong chagres de la semtures de la nyomong tene semtures or de la tapche kare jere que fait-on dire ah yeah ok je suis autorisé que fait-on avec les émotions négatives qui surgissent durant la méditation. Merci, Trilou. Merci. D'abord, je réponds, puis vous me direz merci. Donc oui, il y a les émotions qui s'élèvent, les perturbations mentales qui perturbent notre état d'esprit. Et lorsque ces émotions s'élèvent, il faut tout simplement les regarder ou les observer. Ne pas suivre ou ne pas se laisser emporter par ces émotions. Il faut en réalité en être conscient. En être conscient et les observer, les regarder. Parce que si l'on regarde une émotion qui se lève, l'émotion ne va pas vraiment s'accroître. Prenons par exemple des cas généraux comme la colère ou le désir. En temps normal, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'on est en colère, tout de suite, d'un coup, on va s'énerver. Ou lorsque l'on a du désir, on va tout de suite s'attacher à l'objet du désir. Et cela crée beaucoup de saisie mentale, beaucoup d'attachement. Et l'on ne fait rien pour se protéger contre ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser sa propre sagesse ou être intelligent pour simplement observer la situation, observer l'émotion. En réalité, il n'y a rien à trouver. On fait juste un effort d'observation, de se poser sur l'émotion.
Et en faisant ainsi, on verra bien que lorsque l'on a l'esprit tourné ou lorsque l'on observe une situation qui génère des perturbations mentales, à ce moment-là, l'émotion ou cette perturbation ne se développera pas aussi puissamment qu'elle se serait développée sans l'utilisation de cette sagesse. Donc, le simple fait d'observer l'émotion va permettre d'éviter qu'elle prenne des proportions incontrôlables et va permettre de s'apaiser temporairement. Qu'en est-il de la cérémonie de la coiffe noire? Well, that's simple. Ta jidang da kamab ta jidang phel ya nge sam ta jidang gi gyagal thoma ji dem ba zobas jom den de gi ta jin de me gi nam be gi ta ji community sube ko didu san sham dram ge yo ma nge ga chawe lung bor ba jinzi de sham ko wa ske ma ta yene phe di nam si changwe lung ge yin sa ma si dwe na vinaya na lo le 양지 갸가가 롱바 타고 지선 다지 장아를 채워 진짜가 사살이야 아니 샤모 그냥 기지 쉐요 제자 아니 별이야 장아를 채워 인자 아니 샤모디 개심으로 차대요 그래 제자 아주 별이야 지추규 창월로리야 샤모미라미라 아 가시는 라마 가시래야 샤모미라미라 다 샤모미라 망고요 그래 디자인 라미라 망고시요 그래 अने ताज़ ये राने काम बेरा उसे समर में उसे ना तंग ये तीसरा शन यार मां पूछ मैं lorsque le Bouddha a commencé la communauté d'origine du bouddhisme, il n'y avait pas de chapeau, il n'y avait pas toutes ces coiffes. Mais lorsque le bouddhisme s'est propagé au Tibet, puisque Tibet est un pays où il fait froid, on porte beaucoup d'intérêt sur les chapeaux, sur les différentes coiffes. Et c'est pour ça que nous sommes, les bouddhistes tibétains se sont mis à porter des coiffes bien particulières. Donc, dans le bouddhisme tibétain, chaque lignée, chaque tradition possède sa propre coiffe. Il y a des designs qui sont très différents. Et chaque tradition, chaque lama, souvent chaque lama a sa propre coiffe. Allez. Kama bhuṣa nāma di thongma chūṣa di kama dhūsum khenpa nē chūṋ dhēpa chirē, dhūsum khenpa nē kārūrē. Tā Kurāṋ rāṋ ki chī uṣa nāpa rūṣi, Kurāṋ rāṋ yātari uṣa nāpa dhīni chūṋ pa chīki. Tā ngā chū tā thānā sūhara, tā kānta dhīni chīki vishūn rūpa chūṋ chē, āni kōngi uṣa nāpa dhīni suya shabhi dhīni shē, thāngpa chūṣa dhīni shē. Tā chitā nāma yu uṣa. Nāgū sīgī wārē, dī yīnē nāgū rāṁ mārē, tā dī tīng nāgā rūp chī. Tā dī ngā chū nīm gyūn, dī dī lī yā, chūn dūn rūp rīshē gyabē kāp lī yā. Kā rā sā nā, yīnē jī tīng nāgā dī kā rā chūn gō rā sā nā, tā jī chūn yī nī gyūwā mē bā sā mā rā bā, tā jī chū tham jī gī jī rāng xīn, dī yīnē gyūwā mē bā yīn bā chī tāng. 아니지 야만한 아 참에게 심리디 아니 교험해 봤지
kaduine ji karjure da ji lobur chimala sabe ki energy ngwa ton thya me bur ji tene ji ni zu cha de yob industane da de chunyi ngwa me be ki jangshin de ma chamr cha da nam gi nam kha de nam kha nam ge ki kha do de thina yin be yin zang da de nam kha de ngwa me be chun chun ru ji be ru sha sar ju nga su shi ga le Jazan Digun Zedene, and Tina, Usha Tina, Sundin Rich, Rishisha. La coiffe noire des Karmapa a débuté avec le premier des Karmapa, du Tsongkhapa, qui a eu en vision la vision de cette coiffe noire et qui a fabriqué la coiffe en accord avec cette vision. En fait, la coiffe noire n'est pas noire, elle est bleu foncé. En général, l'explication qui est donnée pour expliquer pourquoi la couleur bleu foncé, ou que représente la couleur bleu foncé représente la nature des phénomènes qui ne change pas, ou la nature de l'esprit qui ne change pas, c'est-à-dire qui ne peut pas être perturbée par les émotions ou les perturbations adventices. Donc, aussi, la couleur bleu foncé est la couleur naturelle du ciel, de l'espace, et l'espace lui-même est immuable. Donc c'est pour symboliser l'immuabilité ou le non-changement de la nature de l'esprit que l'on symbolise par la couleur bleu foncé de la coiffe. Chilolia and the Zoti Jenjoli in Dusana and Tilia showed the Shesha. Takashi Kashi, whom I pay large, and is in the Sajikalia Kashitori Kire. That Zoti Paji Kundijube, Chal Namdo Namche, and Jenjolia showed the Shesha. Donc le premier Karmapa avait fait sa propre coiffe noire. Ainsi, on fait de même le deuxième, puis le troisième Karmapa, et ainsi de suite. Plus tard, un roi mongol et les rois chinois ont fabriqué une autre coiffe noire dans un style un peu plus élégant, un peu plus luxurieux. Et ils ont offert cette coiffe au Karmapa. Et la coiffe dont on fait souvent référence, c'est la coiffe que portait le 16e Karmapa. Et cette coiffe noire, elle est actuellement dans son siège monastique principal, le siège monastique des Karmapa en exil, dans l'état du Sikkim en Inde. Et aussi, certaines de ces coiffes au Tibet ont été perdues. Donc celle que l'on prend pour référence, c'est la coiffe que portait le 16e Karmapa et qui est maintenant encore au Sikkim. Mugudan a Zimba Chempo dan Nyejung ki kola chik suru nan shes. Mugu? Tene? Zimba Chempo. Attachment. 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 Tene? Tene? Nyejung. Ti kanza da da? Ti kola shiro chis? Andi kola shiro chis. Nyejung su di andi Parce que la chaleur, c'est un jour. Parce que la chaleur, c'est un jour. Je dois juste dire que je vais 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 dire
Nyejung da da kharjase. Nyejung da chakpa da nye megu chakpa da nyejung. Da de jing chua de sever shame de len len mise kharja da de. Da jere shana, de jere shana. De shinda jida, chua shinda jida. Aide, une autre question. Dhruptap, dhruptap kong yaya ki kechyo kare yares. Ah. Dhruptap, sadhana. Dhruptap? Dhrup. Sadhana rwa? Sadhana. Sadhana dhena? Sadhana dhena peyang kare yare. Oh ya. Tanyo ra shi gore tade. Tade ba gyur shanri sa. Ok. Pouvez-vous parler du rôle des pratiques, des pratiques comme les sadhanas? Je semble que dans tout ce stade, si quelque chose est Lati da jubana jinja bayan rupish nyamren shabi na lati kumpan jubi tupsa marwe. Dati lati kumpan jubi sana da inji dati chua jine ane ji rangi jabayan tabi wikita kandar ji ji kien kienpa di zewe dangi rupi dinde ji cha tuya besu cha rupi chua jine dinde rila chua jine ngune shabi na da susu rangi da ji susu rangi da susu wikita kandar kashwe ji Tadi cukup untuk cair, jadi susuran ini kumpang untuk cair, bersih mata be, anda jik susuran ini mesin dah cair, jadi kita marah. Rani rani, tak ada cukup kumpang untuk cair, jadi kita jadi siapa. Tadi drop top saya di, kata jik, dua tangan, na lah jik, labar tu ngaki, nyamlin kita ngah sama lu cuci liat be, dua dua bersuai je, jadi jik kerja. Gwane shubha to pya, gwa gyamdru ne sunde, an thar jungwe pharki. Gandar nyamlen changwalo, nonga ki nyamlen ki nenga changwalo zui, dodo jil suyaji. Tindri jiki, gashwa taji, system rupi shiyewe tohane, samarwa taji, rinpo shindu, taji, jiki jiliya, jiki nyamlen chayayo rupi. Tindri jiki ta rinzo di me tohane, tindri jiki nyamlen chayayo rupi suyabri. Chesa tati, Mana jenis cewek na, masuk je pentol bersih on dia aje. Madu kerja sana dah aje. Kadui ini sam-sam je. Nyamne cewa mampu bersih minyak sana, ane je nyamne cewa tak masih bersih. Tadi ini tu tak tampu ngonju cewa ngonju, tak ngonju ngusi jusum sah bersih juga bersih. Ane ngonju telinga, ane jembesin tu tak kanda je kurimiya bersih je. Tadi ni je ketahuan kanda je. Donga ke nyamlen cang la manro, ni cik nyamlen cia cik kerjue ta, cik kerjue ta cang cang ru ru ni cik susah siapa cik, tadi ni ngah siapa tu cik, ni tong tinggi. Lorsque l'on pratique ces sadhanas ou les pratiques des divinités, comme par exemple la pratique d'une divinité comme Manjushri, on peut penser que l'on va faire cette pratique pour réaliser ou pour atteindre l'état de cette divinité. Donc c'est une façon de voir les choses. Mais en réalité, il ne s'agit pas que l'on va faire cette pratique pour que l'on devienne quelqu'un d'autre. On va simplement pratiquer pour devenir soi-même ou pour atteindre l'état supérieur de ce que l'on est. Mais dans aucun cas, on pratique une divinité pour devenir quelque chose d'autre. Donc les sadhanas ont une spécificité, elles font partie des sutras et des tantras, et elles permettent de rassembler en un seul texte, en une seule méthode, l'essentiel d'une pratique de tantra, de son début jusqu'à sa fin. Du début, en commençant par la prise de refuge et le développement de l'esprit d'éveil, et à la fin, par la dédicace. Donc c'est un système qui a été créé pour pouvoir formuler
dans un texte réalisé, dans un texte assez court, une pratique complète. Et les pratiques sont données étape par étape. Donc c'est quelque chose qui est très utile, mais il est très important de savoir bien les faire, parce qu'un problème est de faire beaucoup de pratiques de divinité sans savoir comment les faire. Lorsque l'on fait les pratiques de divinité ou les sadhanas, on commence par la pratique, par les préliminaires de cette pratique, puis on fait la phase principale de la pratique, et enfin on fait la phase de conclusion par la dédicace. Donc de faire ainsi, le faire selon le système d'une sadhana permet de tout intégrer, de toutes les différentes étapes d'une pratique de tantra, de toutes les intégrer en une seule pratique. Donc c'est le point probablement le plus essentiel sur les pratiques des sadhanas. La mindfulness, mindfulness. Gupa me pege. Mindfulness qui n'aime l'engin, pendant que je reste. Gupa mena. Gupa mena. Gupa mena. Une mindfulness qui n'aime l'engin, pendant que je reste. Gupa mena. Gupa mena. Without lineage. Penda penda uyer, penda penda uyer. Penda penda uyer, da yimi ne ngazu kanashilar da. Da gubas senen chandu, da kanda da instruction uvichi, nengar uvichi, chasangar uvichi, da jik penda jik shevar uvichi, chumbi yimi na, ane jik kurang nubat tembar uvichi da, ane jik penda uchir uvichi, pa jik yongar uva. La question est par rapport aux méditations de la pleine conscience. Pensez-vous qu'elle puisse aider, même si elle n'est pas dans un courant spirituel ou dans une lignée? Elle n'est pas inclue dans une lignée. Donc sa sainteté vous dit oui. Bien sûr que ça a un bénéfice de les pratiquer, même si les techniques de méditation n'appartiennent pas à une lignée. Ce que l'on a dans les lignées, ce sont des instructions bien précises qui vont apporter à la méditation beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'impact. Donc le résultat de la méditation, si elle est faite à partir d'une lignée et des instructions de cette lignée, sera plus fort. Sans lignée, il est peu probable que, que l'impact soit très fort. Cependant, ici, on parle simplement d'une différence de profondeur, d'une pratique qui va être faite avec une grande profondeur ou avec une profondeur moyenne, mais dans tous les cas, pratiquer la pleine conscience sera très utile, bien sûr. Gom dans Mugu Gidrewa Kareyuri. Gom dans Mugu Gidrewa. Gom dans Mugu Gidrewa. Il y en a Drewa Kandre Sogore. How to connect. Friendship. Ok. Jodo. Mon accent français est très difficile. Gom dans Mugu Gidrewa de Mal Lozan de Yembe. Comment connecter la méditation et la dévotion? Comme dans le Mugu Java. Dans le Mugu Java, Je suis un peu plus de temps.
Donc, je ne sais pas si ma réponse va être pertinente pour dans l'esprit de la personne qui a posé cette question, mais lorsque l'on parle de dévotion, pour les pratiquants, la dévotion consiste à prier, à porter ses suppliques à un lama ou à un maître qui nous est le plus proche ou envers le qui on a le plus de reconnaissance. Lorsque l'on n'est pas avec ce lama nous manque et on le prie, on lui adresse nos prières et on le prie avec force et intensité. Et en faisant cela, l'esprit sera ému, l'esprit sera mu et sera aussi dans un état de calme. Tout en gardant donc cet état qui est la dévotion, cet état mental qui est la dévotion, le pratiquant, avec un esprit détendu, va faire ses pratiques et va méditer. Donc c'est... en gros, la manière dont on pratique dans les Nyingma et Nyingmapa la dévotion dans la méditation. Dikpa dayage tapshe yakshe jokshe kandedu. Dikpa dayage tapshe yakshe jokshe. Jokshe. Fastest. Morana den jin gyungrun. Dikpa tapshe yakshe jokshe. Yakshe jokshe sithusan. Tati order kande dangu yana tati. Quelle est la meilleure et la façon la plus rapide de purifier le karma négatif? Sainteté dit le meilleur, le plus rapide, je ne sais pas dans quel ordre mettre ça. Tsonan tedang, rang sim dini, energy, casual, pa, jig,
Donc un acte négatif ou un karma négatif peut se voir lorsque l'on a fait quelque chose, on va savoir au fond de nous que l'on a fait quelque chose de mal. On va avoir un sentiment de honte. On va savoir, on est là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct. Et en général, lorsque l'on parle de la confession, confesser un acte négatif, le plus important n'est pas de se poser la question quant à entre ce que l'on ressent d'avoir fait quelque chose de négatif et l'acte négatif lui-même, mais l'important est d'abord de ne pas trop se perturber ou de ne pas trop se faire trop de soucis sur l'acte négatif que l'on a fait. Pourquoi ? Parce que il faut toujours se rappeler que tout est impermanent, que les choses changent d'instant en instant, qu'une situation à chaque instant peut devenir une situation nouvelle. Donc, il ne faut pas penser que l'instant précédent, l'instant suivant va être exactement comme son instant précédent. Si l'on a fait quelque chose de négatif avant, cela ne veut pas dire que l'on va continuer à être ou à faire des actes négatifs. Donc l'instant précédent n'est pas forcément le même que l'instant qui va suivre. Lorsque l'on comprend ceci, lorsque l'on comprend cette possibilité de changement, la première chose, c'est que l'on va être libéré, on va se sentir soulagé et l'on va être motivé à changer. Donc, que l'acte négatif soit purifié ou non, ce n'est pas quelque chose qui est visible, ce n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir voir avec ses yeux. Mais le plus important est notre état d'esprit. Avoir honte d'avoir fait quelque chose de négatif et savoir que l'on va devenir ou avoir la motivation, être enthousiaste quant au fait que l'on puisse changer, que l'on puisse devenir une autre personne et que l'on puisse changer de façon de se comporter. Bien sûr, il y a différentes techniques pour purifier les actes négatifs, comme la récitation de mantras ou la pratique de yidam, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Tendrel dans Tenjing Derwa Jungwa dans Legi Kipartube. Tendrel dans Legi Kipartube. Oh, il y a. Ah, tu voulais sauver une thèse là. Y a-t-il une différence entre interdépendance et karma ? Sainteté dit, là, on rentre dans un sujet philosophique. Dans
Jidanda lenje sadi anji cheba bodan jaba yede bchi cheba bodan jebe ta gunje dele ya lenje sar bchi shedi ore cheba be ji zowa dan jeba ji jezanda namgyu ngaje ki kashpura da ji Taji Lange Sadi, Munajan the Javina, Taji Tub Devu some dandy or the Imbinadi, Brown, Chigashes and some dandy. Taji Karasana, Dangin did you seduce Dandan, I was some logic, chili, chick do a chair. Chi Toddy ever did a selfish racha the order. Chesan, Tigunzan, Dene, and Taji Katre, chili, interdependent values and a dando. Taji Degi and Kajurizia. Reality in the Azu Shendo to add it, the case of Shuchado, Labor Dissons of Bling Tolia. Aunt Samuelchin Zobling Data, Chung Chung Rose and Kantachi information to an Azu Tanier near Brodiore, says that Tigun sent an interdependent Sukarota, values and a Daduana, Ching Nedar of this set of seven drivers, Chile of Industane, Azu Telia Chelsea Tony Benare, Benjo Tony Benare. Danajang as you nam yungi jidang so I can get on shape in a day. Taji kuyu ton in air takanda, some road of your chad edge each other. That anajin lendis added tenancy. The susu mi gerchigi and tak on the chajul dene and zabulin leaji impact on the agila. Jigilia takanda penu joy on the chill you into tigunz and dene lendis added. Taji Tindiji Kashwe interdependent Tindiki Takadarichi Kashwe knowledge is a member, and they said more like the more responsibility which Tindiki would more responsibility. That ring in Sane, Tindiji Tone, that Niji Yomber Shev, there, the compassion, that Ninjigi, and the Sambar of Jimabi Imina, and the need responsibility Kitwiati, Jishanti. Burdened of that is pressure with charge. You be induced on that, Ninjig Sambaguadi, Kesum Chadachi. Just a little summer of Pinsuji Gilia. They didn't ever chat you say. That's when you made the Amanda. Ah, yeah. Donc, il y a l'interdépendance, il y a la relation de cause à effet que l'on appelle le karma. Dans le karma, cause et effet, est beaucoup plus lié ou en regard avec l'auteur de l'acte. Pour ce qui est de l'interdépendance, il faut plutôt regarder d'une manière globale. Par exemple, on peut se rendre compte que... qu'est-ce que l'interdépendance, déjà ? L'interdépendance, c'est que toute chose dépend d'autre chose pour exister. Donc c'est quelque chose qui est clair et quelque chose dont, que l'on, dont on peut se rendre compte. On peut se rendre compte de l'interdépendance. Sorry. Tada di interdependence sa di tawak thon en jabyon de ajib chi. De yune sa zo jaba thon jabyon de de tin jilab chan dum ro. Donc les liens d'interdépendance, on peut le voir en observant la réalité dans le monde dans lequel on vit. On dit que le monde devient de plus en plus petit, où on peut voir que l'information se développe, et grâce à l'information, l'on peut voir que toutes les différentes situations du monde sont interdépendantes, que ce soit en politique, que ce soit en économie, ou que ce soit simplement pour notre propre subsistance. Nous sommes tous dépendants d'autre chose. Et c'est l'idée générale de l'interdépendance. Le karma, c'est dans la même idée, mais au niveau individuel. On peut voir qu'un individu peut lui-même avoir un impact sur toute la planète, sur tout le monde, un impact à la fois positif comme un impact négatif. Donc, le karma, l'interdépendance, c'est plus un aspect philosophique, une compréhension, et le karma est plus en relation avec notre comportement. Le karma va représenter, nous permettre, comprendre le karma va nous permettre de comprendre la responsabilité morale que l'on a.
Cependant, cette responsabilité morale doit se faire avec compassion, car sinon, la responsabilité que l'on a va devenir une charge. Mais si elle est faite avec compassion, elle ne le sera pas. Donc l'on voit ainsi que, en réalité, tout est relié. Gyawan kamapa rangi dang kamapa kuden sumpa rangjuk dorje ningma ningtik dang longcheng ningtik dang drewa yorepes na kamapa sumpa rangjuk dorje dang kerang nga ningma ningtik dang longcheng ningtik drewa drewa yodame aya Tadi kan sih, kamu bersumber rancu dua jadi, kau di tujuh sana, anda sih nyimak tempat dua jumse, si nyata cawur cahdi kau tu, jenisnya, jazan di jumsen tiennya, anda sumber rancu tu korang ki, jika korang liat, kamu nyindi saja, dan si yang dia ada, kamu nyindi saja, takkan. Tentu saja, nanti, kita berusaha mencari yang diorang. Kamu tujuh kembar ni sonda, tapi tujuh kembar ni, tapi kasih ada family semua, tapi dikit sama lor tujuh kembar ni, kamu pergi ni family sama lor, ni mek ni yu, jangan cecah, tujuh orang dia ni, cecah, dia jenazah ni dia ni, ni kamsang ni tujuh orang dia sama lor, ni nilu, ni mek tu, ni mana tujuh dia betul sih, tapi ni mahu siapa siapa macam tu, tujuh jasa. Tak orang terusin bini, cundu ini, tak, si ramai cembulia, misai kita si, tak kalau si lawat, kita desi semua, misai kita temui ye deh berusik, dan si leh cundu ini, macam guru berusik dua negi, dua sih berusik kalau cundu ini dua sih berusik, tu sian dia. 这张参照我这哪里啊？团大青部路的这全部搞了呀，硬巴拉个，俺这都老熟悉的了吧？硬巴拉个，别个，俺这不去去去啊？第八东西你们人家，现在流行么的？这流行的流行就是，团大青部远了。大团怕，大团大也不走的那叫啥也不团都是的，团大也不走面那叫啥也不团面都是，这叫啥？这叫啥？ An dana singgi masih coba sembuh nindi gol di, umma cahde, sange tu jumpa cik kundi ni, cik shugo sambar pun dia cengsong di, ini ni cahde jumpa cik, ta, payu tu bahasa, tu, jahal ya pay matup cik, an orang pan jom matup cik, an tu ni cik, kerjaan, nang ya, an ta, jumpa cik, siwar siwar pun dia cuma dia. Tak ini benar, di mebar itu tu siang dia, tak tinggal cuma tu misi syarikat kami tu. La question est la relation entre sa sainteté ainsi que le troisième karmapa Rangjung Dorje et leur connexion avec la ligne Nyingma Nyingtik et de Longchen Nyingtik. Karma Nyingti. Karma Nyingtik. Oh yeah yeah. Did you worry? Okay. Donc le troisième karmapa était effectivement très proche dans, de la lignée Nyingmapa et dans notre lignée nous avons aussi une forme de la lignée du Nyingtik qui s'appelle le Karma Nyingtik.
Donc c'est une lignée spécifique du Nyingtik. Ainsi, aussi, toujours eu un lien très important avec Padmasambhava ou avec le grand maître. Le troisième karmapa, tout comme le deuxième karmapa, était aussi de famille, de parents pratiquant Nyingmapa. Donc c'est quelque chose qui a toujours été relié, tous les karmapas ont souvent été reliés avec les pratiques Nyingmapa, les pratiques du Nyingtik. Pour ma part, depuis quand j'étais tout petit, j'ai toujours eu de la dévotion envers Guru Rinpoche et je récitais son mantra. Et particulièrement lorsque, dans ma famille, lorsque j'avais donc 3 à 4 ans ou quelque chose comme ça, lorsque il devait se passer quelque chose d'important, lorsque l'on devait faire quelque chose d'important, mon père me demandait de réciter le Benzaguru, le mantra de Guru Rinpoche. Et si... de réciter la louange à Guru Rinpoche. La louange à Guru Rinpoche. Et si l'activité se passait bien, alors mon père me disait que j'avais bien récité, que j'avais bien pratiqué. Et si ça se passait mal, il me disait que j'avais mal pratiqué, mal récité. Donc pour ma part, j'avais aussi envie de mieux recevoir les pratiques Nyingmapa et je pensais les recevoir de son éminence Chacha Rinpoche. Mais Chacha Rinpoche... lui vivait au Népal, moi je vivais en Inde, je ne pouvais pas me rendre au Népal, et pour beaucoup d'autres circonstances, je n'ai pas pu recevoir de Chacha Rinpoche ses instructions, et maintenant Chacha Rinpoche est décédé. Cependant, je garde toujours énormément de dévotion envers lui et envers cette lignée, et c'est ce que j'ai à dire à ce sujet. Final question. Final. Final. Final, mi de. Ya mene choraji chwa lecha na. Final question become funny question. Question. Je sais dans le moment où il est. Ok, ok. 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 Political engagement. Oh, je sais. Tadi, quand je l'ai dit, tadi, tadi, n'ambe, tu signes, cachoué, tu n'ambe, tu signes, voilà, un son gagné, un jour, n'ambe, tu signes, voilà, un chipsy. Bimina yang cure, ambil cuci ni, anda kanda, otak kari ini cik karu kasih, lirik kandis siapa, anda cidangi lirik, lega, pasi anda cidangi common, zambling common lega cik ini sonda, pasi anda cik tumbuh jadian ki, cik tumbuh ki, caca cik ini sonda, pasi dia ambil cuci nyam nyam doa nyam ni cahala, silaran cik kasih. Gendar bisha, kanger bisha, tega ayunan sambar bici. Tapi ini zo de, kasa susu la rale bre. Alaba tu je cepsi ni dene tu cia siapa ini naya, tapi na payah tu cia siapa ina. Ane je pay, ane yang, kuda jujur pay cuma cua ke, kanda cepsi tuan eda. Pe lihat tak angin cium bekal ini cip sing kawan sih aja ni sih, tak kawan sih gua harus cium beri. Jadi tu sana tadi korang rancing ki korang jizo ni buat dia tuan eh, cuci ni cip sih ki, tak gian, tak cuci cip sih jibo mana, si Tibetan welfare semua tu, pe tak si pendi,
gendi da ji ne ga da thar do da da de gendi ma xie ra xie ru ji pa ji cha de ru ji pa ji su cha de ru de mi du sa ne da de yu zhen de da zu zu de gan su 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 lia ra lia xi la ba de da ji chep si na ro lia kha xi chep si si du sa ne be de ga zhu ran de ku zhu ru be yu yu gi cha wa jiang jiang ru ji de de ge da ji chep si cha ru de da Pazi nambe shwe ting ni gyanda chanchuk re samarib chengdo. Da imbi naya jik rangi gyekab dang, rangi mirigib hindiyong ki chayadu, chepsi chayajay. An dindze ki ta kandara laga chayabi imbi naya, de pazi chwe dang gyawara shetwa yade kala khabru shi. Re da sam chengdo. Donc la question est sur demander à sa sainteté son point de vue sur les pratiquants bouddhistes politiquement engagés. Donc sa sainteté répond que lorsque l'on est un pratiquant bouddhiste, l'on fait toutes sortes d'activités, certaines personnes font des activités politiques, d'autres qui font d'autres types d'activités. Et quelle que soit l'activité que l'on a, quel que soit le métier que l'on a, ce sont des métiers, ce sont des activités qui sont en accord avec le monde dans lequel on vit. Ce sont des activités mondaines. Et parfois, effectivement, ces activités peuvent être un obstacle à la pratique du dharma. Mais que ce soit un obstacle ou pas, cela va essentiellement dépendre de l'individu lui-même. Pour ce qui est de l'activité de faire de la politique, si on prend par exemple la politique du Tibet, la personne qui fait le plus de politique pour le Tibet, c'est le Dalai Lama. Et le Dalai Lama donc, est engagé politiquement pour le Tibet, mais on peut voir les choses de cette façon, mais on peut aussi voir qu'il prend soin aussi du peuple tibétain et de la population tibétaine. Donc, que l'engagement politique soit positif ou négatif, ça dépend surtout de l'individu. Mais d'une manière générale, si l'on fait de la politique avec pour motivation et pour seul but de développer son propre intérêt, il est fort probable qu'effectivement cela devienne un obstacle ou ce soit en contraire avec la pratique du dharma. Par contre, si l'on fait de la politique pour aider son propre pays, pour aider son peuple, c'est difficile de le poser comme étant en opposition avec la pratique du dharma. Shobero. Ce sont les chauves, sans que mes lèvres de Wanrusha. Dans le gué, et Wanrusha, chime. Wan chime, ta imbine, ta chien, comme tu wan caché, hein. Des sans que mes lèvres, Wanrubutan, Jerez, Wanrubutan, Guru, Wanrubutan, de caché, jita, nom gué, des dans un jeu, trois ans, ta donne, tu public, le, t'en dis, gué, l'ouche. Tak kurcobar, betul je, kasih yang dia tu. Jadi tak betul je, cecah. Tak ada seni sange melek wang, coba tu siaran siap. Ada industri, betul je, kian samar lu depan betul ya. Khabar siapa jenis, kian samar lu ya, tu sih siapa? Kian pasi dini, tengah samshan tak, cuci sih cecah tu, betul tak? Kian tu macam ni, cuma tak. Kian tu, mana cungcung kau 네, 당기지 시험마다 주주 다다다다 매일 라버 추주에 참상 셀폰도 디즈나 유에서 당연 유아다 깔아가고 싶어. 시험마다 아주 상말로라 다사 클럭 지기에는 당에 디지야 탑실 당거 봐. 동 demain matin je vais donner l'initiation du Bouddha médecin de Sangyamenla. En général, je ne donne pas beaucoup d'initiations. Je ne donne pas beaucoup d'initiations. Mais des initiations comme Sangyamenla, Chenrezi ou Guru Rinpoche sont maintenant, il est devenu une sorte de tradition de donner d'ouvrir ces initiations au public, de les donner en public. Donc demain, je donnerai l'initiation du Bouddha médecin de Sangyamenla. Je suis content de vous avoir rencontré aujourd'hui et je vous remercie. Maintenant, j'espère je ne vais peut-être pas pouvoir parler jusqu'à 4h30 exactement.
Vous savez, de nos jours, hein, tout le monde a des montres. En plus, dans les téléphones portables, on peut voir l'heure. Donc, difficile de changer les choses. Mais peut-être que je devrais avoir une grosse horloge en face de moi, comme ça je ferai plus attention. D'accord. Merci. Merci.